petites boutiques. Des objets désuets, des petites babioles en bois, des conneries en plastique. J'avais, et c'était de mon âge, pas grand chose dans les poches et une envie féroce de partir en voyage. Mais voilà, par un coup de malchance, je tends le bras. Comme par inadvertance, j'embarque cette boîte avec moi. Hola, me dit le quincailler. Jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Posez ces allumettes, vous allez me le payer. Direct, je sors un peu de monnaie pour me faire pardonner de ce menu larcin, somme toute improvisé. Mais non, ça ne sera pas tout. Il veut me dénoncer et se met à hurler que je suis un voyou. Mais voilà, par un coup de malchance, il tend le bras, s'avance avec violence et trébuchant, se jetant sur moi. Dommage, il est mort sur le coup. Vautré sur le carrelage, ce fut un vrai carnage, y avait du sang partout. C'est bien regrettable. L'enfant que j'étais jusque-là fut traîné au barreau parce que les flics ont dit que j'ai du sang sur les doigts. Et le juge, par un coup de malchance, tendit le bras et donna sa sentence. Il paraît que ça m'apprendra. Depuis, terré dans cette cage, mes ailes sont brisées, mes rêves envolés, plus question de voyage. Ainsi, finit la chansonnette du coupable innocent, celui qu'on a coffré pour une boîte d'allumettes.